on est effectivement. On est en direct. L'hôtel de ville. Là, j'en vois un bas. Allez, mon truc. Direct. Allez, j'ai vu là. Technique. Les enfants sont beaucoup plus sensibles à ça. Et c'est énorme. Les enfants, quand on voit les sensibles, c'est ceux qui vont dire aux parents tu veux plus dans la rue, on va crier. On en bas, non. Fin de conversation. Alors, Vincent. 2, 3, Mais non. Oh, des renforts. Du renfort. Let's go, les renforts. Ah, merci de nous aider, c'est très gentil de votre part. Ouais, vous commencez à me ramasser ça rapidement. Le mec, il vient. Le mec, il pète un gars fou. C'est ce que c'est là-bas. C'est un goéland des montagnes. C'est pourquoi? Ah, l'oiseau. Ouais, parce qu'il y a deux petites plumes roses en dessous du bec. Et on voit les plumes roses, non? Ouais, on le voit un petit peu parce qu'il a volé tout à l'heure et ça s'appelle un goéland des montagnes. Stylé. Tout est fou. Ah ouais, t'as... Ok, je suis trop con, moi, je suis trop naïf. Tu sais que c'était pas mal, hein? C'était pas mal, hein? C'était bien. Mais j'ai paniqué aux plumes roses. Ouais.
Max, quand tu fais tes sorties là, de mégots, ouais, plastique et tout, vous faites combien de temps d'habitude? On le fait sous forme de ramassage d'une heure. Une heure? Une heure, et en fonction du monde, on a entre... oh putain, pas besoin de se baisser. On peut avoir jusqu'à... oh, let's go, on a le repas de ce soir. Ça peut aller tellement vite. Et on essaye de faire ça une heure, et puis ensuite, une fois que tout le monde a ramassé, l'idée c'est de tous se réunir pour trier ensemble, pour expliquer, pour montrer aux enfants, aux familles, aux adultes aussi, tout ce qu'on trouve et d'où ça vient, comment est-ce que ça a pu venir ici. Et un petit moment de sensibilisation et de tri pour ensuite aller pouvoir jeter et en ayant tout trié, quoi. T'as vu ça là? Elle est passée dessus la manie. Attention, hein. Attention à toi. Hein. Je veille au grain. Bien joué. On se met la caméra. Regarde, cale-toi là. Aïe aïe aïe. C'est nous, les super-héros. Filmez-moi. Non. Attention. Non. Le micro est là. Le micro est là. Pour protéger la plage de Palavas, s'il vous plaît, jetez vos mégots dans une poubelle spéciale ou sinon vous ramenez chez vous dans une petite boîte. Merci. À la mairie de Palavas, il y a des portefeuilles qui sont spécialement fabriqués, qui sont hermétiques, qui ne brûlent pas. Vous mettez vos mégots dedans et hop, moi je le fais devant vous. Protéger votre plage. Et juste là, hop là. Ah, c'est filmé sur la boîte. Hey, félicitations, bravo. Bravo. Excellent. Oh, ça va Max, toi t'es habitué toi. Toi t'es à la maison là. C'est un peu ça, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la plage. Ah ouais? Je viens uniquement pour... Genre là t'as détesté ce moment là. Je viens uniquement pour l'assaut. Ah ouais, genre t'aimes pas aller à la plage en pour te baigner? C'est pas mon kiff, non, il y a trop de monde, il y a du sable. Ah ouais, c'est cool, mais du coup tu te dévoues quand même pour aller nettoyer. Ah moi je viens uniquement pour l'assaut la plupart du temps. On a plusieurs levées d'action en fait pour sensibiliser. On sensibilise dans les écoles, de l'école maternelle au fac. Et le problème c'est que c'est des discours qui sont super compliqués, même en live en fait. C'est-à-dire que là on est en train de le faire et tout. Et tu sais, on a l'impression de rien apprendre aux gens, de dire un truc que tout le monde sait, je sais pas comment dire, tu vois, t'as un peu ce truc là, sauf que bah, manifestement en une heure on ramasse ça chacun. Et c'est que de sensibiliser dans les écoles, ça, on apporte une théorie, on essaie d'y apporter le maximum de pratique, que ça soit ludique. Bien sûr. Parce que les enfants ils apprennent avec le ludique et pas assis derrière un tableau. Enfin, il faut leur mettre les mains dans le atelier. Des ateliers. Ouais, normal. Je pense que tu aurais jamais pensé ramasser autant de mégots en si peu de temps finalement. Bah, malheureusement, je l'ai déjà fait une fois. Heureusement, mais du coup je m'y attendais parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà vu. Mais c'est vrai que la première fois ça m'avait choqué. Bon, ça me choque toujours autant, c'est-à-dire. Hein, parce que là c'est concret et c'est. Voilà, c'est. Ah ouais, de fou. On est dans la réalité et la réalité elle est là. Ouais, et les gens n'en prennent pas forcément conscience parce qu'on regarde des images à la télé et c'est loin et ça ne nous concerne pas, c'est loin. Non, mais en vrai c'est vraiment un truc de fou. Mais non, mais c'est un numéro celle-là. Hein. Elle a dit quoi? Elle est géniale, hein. C'est un numéro celle-là. Elle a dit quoi? Je sais pas, mais elle se chauffe, elle part en DJ là. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Tu viens en direct? Ah oui, moi je suis contre tout ça. Ouais. Tu vas me raconter les vraies choses? Ah oui, vas-y, filmez. Prends le micro. Regarde le micro, il arrive là. Comment tu t'appelles? Carole. Carole, enchantée Carole. Ça marche là, ça... Je m'appelle Carole. C'est formidable. J'habite à Palavas. Ok. Donc je suis très contente d'avoir un super groupe d'influenceurs qui se bat justement pour la cause de tout ce qui est pollution. Donc la pollution, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça fait plaisir. Alors quand vous voyez cette bouteille en plastique qui est remplie, à mon avis, c'est rempli peut-être pas beaucoup. Alors je tiens à dire que toutes les personnes qui fument, ok, c'est bien, mais il faut protéger la nature, la planète. Non, c'est pas super bien. Non, c'est pas bien. Non, je disais, c'est bien de fumer, non. Mais il y en a qui fument. Non, fumer, non. Parce que chacun son choix. Attends, tu peux pas dire. Oui, ah non, choix. Mais c'est pas chacun son choix de fumer, mais il faut pas oublier que votre... Non, je me régale. Votre mégot de cigarette de merde. Hein, elle a pas été... Ah non, on l'a pas briefé avant. On l'a pas briefé. On parle de ça. Ah oui. Que ce n'est pas bien. Pour la santé, évidemment. C'est bonne pause. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Mais je me dis. Ça, c'est pas faux. Votre corps, c'est le vôtre. Oui. Mais. C'est la planète à tout le monde. Là. Un mégot, ça prend des années à être modifié dans la terre. Exactement. Même si c'est modifié dans la terre, ça contamine. Pensez à vos enfants. Pensez à les gens qui viennent après. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pour le lendemain. Le lendemain, c'est qui? Carole, tu me régales. Nos enfants, pour les prochains. Parce que nos prochains, c'est qui? C'est vos petits-enfants à vous. Quand c'est pollué, vous pensez qu'aujourd'hui, là, on est très bien, tout va bien, tout est tranquille. Mais pensez au lendemain. Le lendemain, c'est la vie. Tu te présentes? Ah ouais, je suis de la politique. Le maire de Palavas. Pensez au lendemain. Le lendemain, c'est l'avenir. Merci pour ça. L'avenir, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tous. Exactement. Bravo! 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 Excellent, merci. Hein. Bravo. I love you. Ouais, mais... voilà. Moi aussi.
Oh, ça va vite, c'est... Tu m'as régalé, hein. Mais c'est important. Change rien. Je suis une citoyenne française. Exactement. Qui est en train de militer contre la pollution. Tu comprends ça? Bon. Je t'ai régressé. Merci beaucoup. Rends-lui quand même. C'est voilà. Merci beaucoup, hein. Merci. C'est excellent, ce qui vient de se passer. Parfait. Votez Carole. Je pouvais pas avoir mieux. Non, c'est pas un... Alors, c'est pas stage, hein. Je tiens à le dire, c'est pas stage, hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelqu'un qui a des choses à dire. Elle nous a dit les vraies choses, hein. Ouais. Tu peux muter ce micro? Elle était déjà mutée. Il était muté pendant tout ce temps. Bah, elle a tout dit, hein. C'est bon, hein. Elle a dit ça. Ouais. Non, on a vécu un truc quand même. Ouais, j'ai trouvé ça très marrant. Moi, je l'ai vécu de très près, en plus. Bah là, j'ai vu que c'était très, enfin, c'était... très près, ouais. C'était vraiment... J'étais en front line, hein. J'étais Nautilus. C'est un contrat, t'as perdu. J'étais au milieu, là. Après, c'est dur, hein. De toute façon, globalement, en tant que fumeur, ce que tu peux faire, c'est ton action d'éviter de le jeter par terre. Mais globalement, si t'es addict, t'es addict, quoi. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Parce que je reviens sur Carole, quand même, parce qu'on a vécu un truc, encore une fois. Oui. Mais ce qu'elle voulait dire par fumer, c'est bien, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Moi, j'ai lu entre les lignes. Elle voulait dire, en fait, c'est notre corps. C'est ça. En fait, c'est fumer notre corps, mais touchez pas au reste, quoi. Mais elle appartient à tout le monde, en gros. Non, voilà. j'ai capté l'ambiance. Ouais, si vous voulez vous pourrir, pourrissez-vous, mais pourrissez pas la planète, quoi. Mais attends, toi, t'as vécu un truc de fou, c'est ça que tu vas t'en remettre? Non, je sais pas. Tu fais un truc bien et derrière toi t'allais te baigner toi. Et tu vois, je vais me baigner, on boit un coup, on mange et c'est de la bonne soirée. Ouais, c'est cool, hein. Bah, c'est l'idée, c'est voilà, c'est vraiment que ce soit convivial, que le message y soit passé de manière positive. On n'est pas là pour dramatiser les choses, le constat on le connaît, on l'a tous. Ah. C'est Twitch. Quoi? C'est Twitch.tv, Kenny Stream. C'est Kenny Stream. Ok, je l'ai noté pour toi. Ouais. Non, attends. Attends, on vend. T'as pas Twitch, t'as pas l'application? Non. Bah merde. Ouais, je pense. Moi je fais sur l'émission M6. Ah, M6, c'est vrai. Ouais. Cool. Mais c'est cool ce que vous faites. Franchement, je suis vraiment sûr pour les jeunes. Hein. Alors, je suis pas si jeune que ça, mais ouais. Parce que vous venez là pour tous les gens qui pensent à ça, de militer pour cette cause qui est indispensable pour notre pays, à nous, pour le futur. Tu comprends quand je te parle? J'écoute. Il n'y a pas à agresser des gens comme ça? Je dis ça tellement indispensable. Et toi, t'es le patron? Mais je suis heureux. Eh ben ouais, mais je trouve que c'est tellement important. Plus qu'important. Ok. C'est pas important. Ah, répète. Je passe le week-end, hein. Plus qu'important. C'est plus qu'important. Ah ouais, voilà. C'est agréable. Mais c'est bien ou pas bien, mais il faut respecter les autres. Ouais, non, mais t'as pas internet là? Non, mais j'ai pas, mais note-moi sur un truc là, machin. Ah, tu te le notes, ok, pas de soucis. Note. Comment tu t'appelles, Fredo? Ouais, Fredo, c'est ça. Fredo, I love you. Ah, ok, cool. Moi, c'est Carole. Carole, on va en sortir. Alors, là, on parle de mégots, cigarettes, et après, c'est quoi votre truc? Ah, bah après, moi, c'est les jeux vidéo, moi. Non, t'as pas compris. Ok, cool. Là, on parle de ce qui concerne le monde. Ah, le monde? Et après, y'a quoi? Les animaux? Il ouais, y a plein de choses, hein. Bah, je sais pas, ouais, les animaux, c'est bien. Ah, vous faites ça? Bah oui, ça arrive des fois. Qui porte un sac croco là de. Non, ça sort pas. Ah ouais. Ah non. Bon, ah c'est... ouais. Je l'ai mis là, au cas où. Non, en tout cas, vous êtes. Eh, regarde-moi. Il y a des jeunes qui sont là autour de ce que vous faites, là, c'est des bons enfants du monde. Sinon, next. On va leur donner des bonnes éducations, qu'ils arrivent à éduquer la propreté, l'éducation, être bien civilisé, la protection de la nature. Ça, c'est important. Bon, j'ai mis ton compris ça. Compris. Voilà. Désolé, mais. Coupé. Ok, c'est parfait. C'est là. Ok, parfait. Allez, ciao. Nickel. Merci. Exceptionnel. Hein. Non, mais on rigole. Mais des vraies choses sont dites, par contre. Oui. En vrai, parce que. Oui, en vrai, oui. Sur fond en vrai. De vrais discours. Oui. De vrais discours. Oui, ça se voit. Je vous remercie à tous d'avoir été là, d'être venu, ouais. Je suis trop content. On était sur les trois chaînes, c'est-à-dire voilà, sur la chaîne ouais. De Moment, sur la chaîne d'Aurélien et la mienne, et il a donné ma chaîne en plus, ce bâtard. Alors c'est vrai qu'il m'a. Bah... Toi, t'es un chien, toi. Mais il était très proche de toi, je me suis dit pourquoi pas. Non, elle vient de te dire I love you. Elle t'a dit avant la view, donc je suis désolé, je passe après toi. T'es jaloux? Ouais, je suis un peu jaloux. T'es jaloux? On se régale. Bon, en tout cas, hey, c'était cool. C'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. Voilà, on va pas tirer sur le live pour tirer sur le live. Oui, ouais. Bon, je pense qu'il ouais, voilà. De... Encore merci, Max. Merci de t'avoir eu sur la chaîne avec nous. C'était un régal. Bon, allez, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, merci d'avoir regardé, des bisous les trois chaînes. Et salut, ciao. Ciao. Ciao.